plante nécessite beaucoup d'eau et de la chaleur. Et nous avons les conditions climatiques nécessaires en Grèce pour la culture du coton. C'est-à-dire la grande chaleur, il fait très très chaud ici pendant l'été, au mois d'août, et il y a beaucoup d'eau artésienne. Parce que toute cette étendue, et encore plus loin, c'était un lac depuis toujours dans l'Antiquité, acheté par les Anglais à la fin du 19e siècle. Des traces, regardez, il y a deux qui montent à l'extrémité à gauche en bleu. Ils portent des gilets bleus. Vous voyez à l'extrémité qui font comme ça de la qui grimpent de l'alpinisme. Alors, le problème qui se pose, c'est comment ils ont pu monter. Alors, et la réponse, donc il y a eu plusieurs hypothèses. Regardez. Donc, on pense que comme aujourd'hui il y a ces jeunes qui peuvent le faire, que peut-être aussi à l'époque, il y avait des chasseurs, des bergers, les premiers à monter pour créer les communautés monastiques. Alors, ici on va... Alors ici, vous voyez le plus petit devant nous, le plus petit de toutes les communautés monastiques. Donc c'est Saint Nicolas le Reposant, un seul moine très âgé, et vous voyez comment tous les travaux qui facilitent la montée.